nous présentant les excuses sans cause pour le petit retard que nous avons pris. J'appelle Claude Mazoli, qui, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, vient à son tour, a accepté de se déplacer, de parler. Professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Rouen, historien spécialiste de la Révolution française, comme tout le monde sait, penseur marxiste. Et il a récemment publié, notre cher Claude Mazoli, l'histoire de la Révolution française et la pensée marxiste, plus factuel Marx, 2009, et une quatrième édition revue, augmentée, corrigée des écrits de Babeuf au temps des cerises, qui date de 2009 déjà, et le titre, comme vous le savez, en est Babeuf.écrit, au pluriel. Cher Claude, le titre de ton intervention, je le répète également, c'est donc « Comprendre l'histoire de la Révolution française », deux points, « Dialectique de l'objet » ou « Représentation dialectique du mouvement », point d'interrogation. Encore merci pour ta présence dans ces temps agités. Avec ça, côté microphonique, c'est le cas. Merci. Évidemment, pour un modeste historien, ou un historien modeste, et il est difficile de parler après deux philosophes de l'envergure de ceux qui m'ont précédé. Et je ne vais pas me présenter devant vous comme un philosophe, mais comme un historien qui essaye de réfléchir à sa propre pratique professionnelle. Lorsque j'ai accepté de répondre positivement à la sollicitation de mon ami Luc Vincenti de participer à la rencontre d'aujourd'hui, j'avais en mémoire une forte interpellation de l'un de mes collègues, historien et ami d'Outre-Atlantique, lequel m'avait écrit une longue lettre personnelle relative au contenu de mon essai paru en 2009 aux presses universitaires de France, le voici, « L'histoire de la Révolution française et la pensée marxiste ». Que me disait en substance ce correspondant, qui justifiera le titre de ma communication. Se défendant de mettre en question ma probité d'historien ou, je cite, « la qualité de mon argumentation relative à l'interprétation marxisante », c'est son mot, que je proposais des processus historiques qualifié de Révolution française, et il me reprochait de mettre un R majuscule, l'auteur de la lettre tenait à mettre en valeur l'arbitraire, selon lui, de mon point de vue théorique. Il me reconnaissait comme un fait positif d'avoir bien mis en valeur l'ancrage historiographique de l'interprétation de Marx et de ses continuateurs, ancrage lui-même fortement inscrit en continuité, comme vous le savez, dans la représentation contemporaine de la Révolution par ceux qui l'ont fait ou subi. Le commentaire de mon interlocuteur voulait démontrer que toute ma construction d'une temporalité révolutionnaire, avec la proposition d'une rythme-analyse, d'une périodisation, était artificielle. Ma démonstration prétendue d'un jeu interactif entre instances du réel, de la réalité perçue, instances elles-mêmes conçues comme inscrites contradictoirement dans un héritage de longue durée, conduit à connaître une crise traumatique dans les années 1780, relevait, je cite encore, d'un plaquage interprétatif appliqué à une réalité qu'on pouvait regarder d'une toute autre manière, aléatoire et moins sophistiquée. Dans la même veine, mon correspondant, toujours amical, récusait absolument le concept de révolution bourgeoise, sur lequel j'avais cru apporter quelques idées neuves, et refusait d'autre part de voir un quelconque rapport entre le jacobinisme, pour lui centralisateur, qui n'était à ses yeux qu'un simple habillage de l'exercice d'un pouvoir de fait et une manière de radicalisme révolutionnaire à contenu social, comme j'en proposais l'interprétation à la suite de divers théoriciens marxistes comme Gramsci qu'on a évoqué précédemment. En sorte que ma démonstration, c'est le mot qu'il emploie,
les sources empiriquement saisies dans leur facticité n'accréditent en rien, qui n'avait donc ni la cohérence ni la direction que je lui imposais, en sorte que je tombais dans le pire des idéalismes, en projetant une abstraction produite par mon attachement à la pensée de Marx, pour des raisons politiques sous-entendues, sur une histoire, avec un petit h, infiniment obscure, incompréhensible dans son déroulement, et loin d'épouser en profondeur le sens que je lui prêtais. En un mot, la dialectique que je prétendais observer n'était pas dans la réalité des choses, mais prenait effet dans la réalité de mon discours et de mon dessin. Alors, j'ai voulu revenir sur cette critique d'inspiration néo-empiriste, assez banale finalement, et énoncer les arguments qui m'autorisent à en démontrer la validité. Voilà, c'est donc mon approche d'historien. En premier lieu, il sera question d'historiographie. Comme tout le monde sait, ici tout le monde le sait, Marx n'a pas inventé une tradition interprétative de la Révolution française qui résulterait d'un plaquage du matérialisme historique sur l'épisode révolutionnaire français, pour lui donner une cohérence propre à valider la démarche théorique marxienne en cours d'élaboration dans les années 1830-1845, surtout entre 1840 et 1845. D'autres auteurs, bien connus depuis Franz Mehring ou Auguste Cornu, jusqu'à Jacques Texier, qui vient de disparaître, je vous renvoie à ce dernier travaux, ont bien montré cette généalogie, que reprend d'ailleurs de façon tout à fait synthétique et excellente Eric Hobsbawm dans ce petit ouvrage qui s'appelle « Marx et l'histoire » paru en 2008 chez Démopolis, sous le titre suivant « Karl Marx et l'histoire » 1968 et « La conception marxiste de l'histoire » 1984. D'Augustin Thierry, l'historien français Augustin Thierry, Marx a retenu la proposition de lutte séculaire entre noblesse et bourgeoisie qui conduit celle-ci à se faire la classe protagoniste de l'émancipation de la nation. De Thiers, Mignet et Guizot, et surtout de Mignet, comme à la suite de sa lecture des mémorialistes comme Levasseur de la Sarthe ou encore Paillol, ce dernier saisit dans sa longue riposte à Germaine de Staël, et non moins dans les écrits des publicistes de la Restauration comme l'étaient les rédacteurs de la revue Le Globe, Marx reprend et approfondit l'idée d'identifier la Révolution française au moment décisif des luttes sociales, des luttes de classe, le terme vient de Mignet, qui ont conduit à l'émancipation politique de la bourgeoisie, une émancipation qui a fait d'elle la classe dirigeante et dominante dans la société de la nation moderne, modernisée, une fois cependant, et je reprends ici un mot qui a frappé Marx, une fois cependant licenciée la multitude, comme l'avait écrit si joliment François Mignet. En 1824. C'est donc les effets induits de la Révolution qui ont instruit Marx et après lui, les marxistes, si j'ose dire, et non eux qui ont édifié un système idéologique arbitraire sur une réalité qu'ils auraient méconnue, dont ils auraient méconnu la complexité et l'originalité et la nouveauté. En second lieu, sauf à considérer que l'histoire serait inconnaissable et même pas susceptible d'être mise en récit chronologique, Jean-Jacques Rousseau parle de l'enfer de la chronologie. Pour définir l'histoire, l'enfer de la chronologie. Donc, à moins de considérer que l'histoire, le récit chronologique n'a aucune importance, on ne peut rayer d'un trait la préoccupation historienne de construire un récit intelligible du passé, préoccupation qui a marqué le XIXe siècle. Et je rappelle ici pour mémoire la qualification de « découverte du continent histoire » que donnait Louis Althusser pour caractériser un temps qui fut celui de la naissance de l'historiographie comme un domaine
originale et autonome du savoir. Marx et ses continuateurs les plus divers se sont inscrits dans ce champ de préoccupation du savoir. Ils n'ont cessé d'interroger de manière critique les documents qui traduisent l'effectivité de ce moment qu'on appelle depuis l'été de 1789 la Révolution française. Marx, ses cahiers de travail, notamment celui de Kreuznach, ses carnets de notes et sa correspondance du premier volume, en témoigne, le fit comme la plupart de ses contemporains, à partir des mémoires et des imprimés disponibles, projetant même, comme on sait, d'écrire une histoire de la Convention, projet auquel il ne donna pas suite, pour mille raisons, qu'on pourra toujours évoquer dans la discussion, mais qui n'ont rien à voir avec l'aveu d'une méconnaissance de principe. Par la suite, notamment à la suite de l'officialisation des préceptes de l'histoire méthodique, puis de la publication de l'histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès, qui marque un tournant, les historiens, peu ou prou, éclairés par la démarche théoritique de la pensée de Marx, n'ont en rien ignoré le foisonnement documentaire qui traduit la complexité comme les rythmes propres de ce qui nous est donné et qui a trait à la séquence révolutionnaire de 1788 à 1800, voire 1815 et même au-delà. Sans y insister, je vous renvoie aux propositions incluses dans mon petit essai, et c'est donc au regard de l'effectivité du processus de la Révolution elle-même comme des sources anciennes et nouvelles qui nous la donnent à connaître qu'il faut apprécier la valeur des efforts d'intelligibilité produits par le matérialisme historique marxien, en le considérant, certes dans son origine et sa continuité, mais aussi à travers ses renouvellements successifs, non comme la mise en place d'une nouvelle dogmatique inspirée de je ne sais quelle révélation théorique. Ce qui nous conduit en troisième lieu à rappeler que la connaissance du processus révolutionnaire dans son foisonnement, ses différences internes, s'est construit pratiquement, c'est-à-dire non spéculativement, dès le moment même de son déclenchement. Par l'effet de l'institutionnalisation de monuments d'écriture et de discours qui ont accompagné la mise en œuvre des grandes décisions législatives, juridiques, institutionnelles, politiques, discursives, lesquelles en ont rythmé les différents moments, en contribuant simultanément à transformer pratiquement le mode d'existence, le mode collectif d'existence du pays, de la France et même de l'Europe. Ces décisions ont donc trouvé à s'inscrire matériellement dans la réalité sociale et politique de la France révolutionnée et de l'Europe bouleversée, laquelle s'est donnée, la France révolutionnée, l'Europe bouleversée, lesquelles se sont données simultanément en modèle, pratiquement au monde entier. Éclairer le comment et le pourquoi de ce qui s'est institué dans les faits, par référence à la longue durée de construction de l'État moderne et de transformation des rapports sociaux sous l'effet des échanges, du capital marchand, du commerce, relève précisément et depuis le premier XIXe siècle du travail de l'historien. En sorte que la somme de toutes les hypothèses serait-elle contradictoire, en tous les cas différente, et ce qui aide désormais à construire l'historiographie et à en relever la diversité des champs. Comme pour toutes les sciences sociales et humaines, c'est donc à l'aune du constat de cohérence de l'idée avec l'objet, tel qu'il est donné par les sources, elles-mêmes objectivées et critiquées, on sait bien comment les sources se construisent, qu'on peut apprécier la valeur heuristique d'une théorie et la portée de l'herméneutique qui peut s'en prévaloir. De ce point de vue, les hypothèses inspirées de la pensée Marx relative à la Révolution française sont soumises au même statut épistémologique que les autres hypothèses formulées dans le champ des sciences sociales, sciences ou disciplines scientifiques qui ne peuvent, comme chacun sait, sauf exception, se prévaloir du même statut d'expérimentation que les sciences dites naturelles. Alors on s'en rendra compte en évoquant la fameuse question de l'ambiguïté apparente de la révolution qui se montre populaire dans sa phénoménologie et serait simultanément bourgeoise en son essence, au moins dans ses effets restructurants. Voilà bien l'une de ces grandes questions qui ont divisé l'historiographie depuis le début du XIXe siècle. Relever ce fait d'une révolution populaire par ses acteurs, notamment lors des moments décisifs, avec son contenu bourgeois par ses effets et donc au vu du sens rétrospectif qu'on lui attribue, constitue bien l'un des terrains de controverse dans lequel le matérialisme historique a donné sa pleine mesure, la pleine mesure de sa fécondité heuristique. Il en avait de même à propos de la compréhension de la révolution comme mode de liquidation des anciennes formes seigneuriales de tenure de la terre en conséquence d'une révolution dont le théâtre le plus visible ou le plus observé était d'abord urbain. Mais c'est aussi par cela qu'on peut comprendre comment la révolution paysanne, avec ses limites et ses ambiguïtés, a créé les conditions d'apparition d'un mouvement urbain et national de type plébéien qui finira par s'imposer et marquera durablement la tradition républicaine française.
du moins la tradition républicaine française, là où celle-ci s'enracine hors des périmètres régionaux ou territoriaux où l'orientation antirévolutionnaire l'a emporté à partir de 1791. Hop, la Vendée, c'est bien connu. Ces modes corrélatifs d'interaction, mis à jour à titre d'esquisse théorique par Marx dès les années 1840, éclairés ensuite d'une certaine manière par divers auteurs, parmi lesquels Kautsky en 1889, sur lesquels Jean-Yves Van Bucquange vous a rappelé l'importance de sa démarche, puis réanalysés par la totalité des historiens qui ont été bousculés par ces textes fondamentaux, à la suite de Jean Jaurès dans l'histoire socialiste de la Révolution française, comme Georges Lefebvre et d'autres à sa suite, travaux qui constituent l'un des apports irrécusable à la compréhension du mouvement révolutionnaire de 1789 à 1799 pour en penser à la fois la diversité et la cohérence. Cela est en pleine conformité avec les données fournies par l'érudition foisonnante du XIXe siècle, qui a donc nécessité une sorte de réinterprétation, une sorte de reprise en héritage critique, et la découverte des sources nouvelles de l'histoire sociale et culturelle, laquelle s'émancipe de la tutelle de l'histoire politique événementielle dès le début du XXe siècle, avec d'abord l'école d'Henri Bert, puis ensuite avec l'école des Annales. On ne peut donc affirmer, comme le prétendait un interlocuteur néolibéral, c'est l'orientation qu'il revendique lui-même, que la révolution devrait ne se limiter qu'au champ d'une histoire politique, d'ailleurs étroitement conçue comme un champ clos d'ambitions occasionnelles, à quoi d'ailleurs voulait la réduire François Furet, ni non plus que le mouvement social qui lui tient un lieu de support serait sans cohérence. Il est encore moins possible d'affirmer que tout cela serait sans relation interactive avec le mode de production économique dit bien marchand et d'usage et la structuration de la formation sociale de la fin du XVIIIe siècle que la longue durée antérieure avait façonnée au moins depuis la circumnavigation. Cependant, resterait encore à en saisir, ce que j'ai modestement essayé d'entreprendre, le champ divers et complexe des interactions entre les divers moments. C'est la rythme-analyse et les interactions entre les divers lieux où s'exprime le mouvement révolutionnaire. Et c'est là tout l'apport méthodologique, s'il en est évidemment impossible, dans mon essai de 2009 que récuse mon interlocuteur. Alors, arrive à ce point de mon exposé, je vois bien que derrière l'interpellation de mon correspondant, une question épistémologique de fond se profile dans notre débat. On va me dire, par exemple, acceptons la justesse théorique des apports de la théorie marxienne pour comprendre les effets structurels et globaux de la Révolution française en tant que mode particulier de transition du féodalisme au capitalisme, pour autant qu'on accepte le distinguo, au moins provisoirement. Mais comment rendre compte et donner cohérence à partir de là aux formes singulières, je reprends ce qui a été dit précédemment par André, aux formes singulières du processus révolutionnaire dans son foisonnement événementiel? Ces marches, contre-marches spécifiques, ces individus porte-parole, les formes régionales ou sectorielles, les étapes, les durées des divers phénomènes observés. Nous voyons bien que nous sommes ici au cœur de la problématique de l'histoire pensée comme savoir distancié et média de la mémoire vive ou transmise. Mais ne sommes-nous pas aussi ici au cœur de la problématique de l'histoire comme récit d'une somme donnée de faits contingents rapportés à une survenue d'ensemble ? Incluse elle-même dans une nécessité causale que des historiens libéraux du 1er 19e siècle avaient perçue, comme François Guizot, ou François Millet, mais surtout François Guizot, qui concevait cette survenue d'ensemble comme l'expression d'une fatalité, le fameux fatalisme historique de la période de la monarchie de Juillet. Vaste questionnement qui est à l'horizon de mon propos, mais que je ne ferai qu'esquisser pour engager le débat. Qu'est-ce que l'histoire ? Je citerai Paul Ricoeur, je reprends sa définition parce qu'elle sera utile pour la suite de mon raisonnement, mais c'est une définition tout à fait acceptable et très bien composée. J'appellerai condition historique, dit Ricoeur, ce régime d'existence placé sous le signe du passé comme n'étant plus ayant été. La mémoire, l'histoire et l'oubli, seuil 2000, page 367. Je remarquerai pour commencer que les philosophes et les épistémologues créditent généralement l'histoire d'atteindre à la véracité, voire à la vérité d'un savoir de type scientifique, quand les explications rationnelles qu'elle avance sur ce qui s'est passé sont rapportées, d'une part, à des conditions initiales déterminantes, ou au moins prévalentes, c'est-à-dire antérieures, d'autre part, à l'énonciation d'une régularité quelconque, formulée comme une hypothèse de forme universelle ou suffisamment générale pour qu'on puisse la tenir pour une loi. À partir de ce point s'établissent deux modèles de traitement de la matière historique.
l'un diachronique, l'autre synchronique. Et je me suis aperçu en écrivant cela que je reprenais un débat qui avait déjà eu lieu dans ce séminaire avec notre ami Bourgeot. Le premier, le modèle diachronique, serait un simple récit, à demi-fictionnel en ce sens que s'il n'abolit pas l'histoire comme référent documentaire aux mémoires distanciées, il n'est cependant ni significatif en son fond, ni même pensable. C'est l'histoire-récit. On peut donc penser déduire qu'il se réduit à une sorte d'accidentologie, racontée en exhibant vestiges conservés et documents sélectionnés, un récit énoncé avec plus ou moins d'art d'écrire, souvent avec un faible art d'écrire, tantôt destiné à satisfaire la curiosité du public, tantôt remplissant une fonction d'édification sociale ou idéologique. Ce pourrait être ce que Nietzsche, dans ses considérations inactuelles de 1874, on avait dit Nietzsche précédemment, regroupait sous l'appellation d'histoire antiquaire ou d'histoire monumentale. L'autre modèle, le modèle synchronique, serait seul appelé à relever d'une scientificité possible, c'est-à-dire d'un mode d'explication rationnel pouvant faire référence aux notions de loi, de cause et dans une possible mesure de régularité des effets, à quoi on reconnaît une démarche ou une connaissance de type scientifique. Ainsi aurait-on affaire à deux genres d'histoire, l'une traduisant la nécessité de ce qui est advenu, l'autre la contingence du fait relevé. À ces deux paradigmes se rattacheraient deux séries paradigmatiques de termes courants dont la nomenclature du travail historique et relevant de la même sémantique occupe tous les historiens. À la catégorie de nécessité se joindrait la notion de structure avec tous ses dérivés possibles, mode de production, habitus, institution de caractère anthropologique, formation sociale durable. Vous voyez que mon périmètre est largement établi. La longue durée, le modèle. Le trend conjoncturel, la sociologie, la prosopographie, c'est-à-dire l'étude abstraite des sommes d'individus, les types abstraits d'individualité. Là, on serait dans la construction, en quelque sorte, du modèle. À la catégorie de contingence se rattacherait l'événement, les cycles courts et aléatoires, les crises non régulières, si elles sont régulières, elles renvoient à la structure, les acteurs ou protagonistes en tant que personnages concrets connus par leur biographie, là-dessus, un travail tout à fait récent, très important, non rapporté à un type abstrait d'individualité. Les retournements subis, les révoltes, les journées, les émeutes singulières, voire les révolutions, Tunisie, l'Égypte, etc. Le premier type d'histoire relèverait d'une sorte de science historique établie, le second de l'art du récit et du dévoilement des intrigues, selon le mot de Paul Veil. Le premier permettrait d'incriminer une forme de causalité dans la survenue des faits, le second mettrait à jour des effets sans cause, susceptible même de devenir cause d'effet à venir imprévisible et donc qui ne peuvent même pas être tenus pour des effets devenant cause. Pour illustrer mon propos, je reviendrai à Paul Ricoeur et au long commentaire qu'il fait de la thèse de Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, dans son essai Temps et récits, l'intrigue et le récit historique de 1983. Ricoeur y rappelle que la méthode braudelienne, qu'on a évoquée précédemment, reposait sur l'idée de pluralité du temps social. Un temps, d'abord un temps presque immobile, quasiment d'origine cosmique, géographique, s'imposant aux successives civilisations méditerranéennes, puis ensuite un temps au rythme lent qui serait marqué par le poids des héritages déterminants où la régularité et les déterminations structurelles l'emporteraient sur les accidents et les épisodes éruptifs sans lendemain. Et enfin, troisième temps, le temps rapporté à la dimension de l'individu, c'est-à-dire de la vie des individus, des générations. Celui de l'événement relevant de la contingence et que l'histoire de longue durée, la seule qui soit explicative, devrait détrôner. Il n'y aurait donc d'histoire que de la longue durée. Ricoeur détaille ensuite les apports de cette méthodologie fondée sur la distinction des instances temporelles et structurelles. Il constate qu'elle permet de comprendre comment la Méditerranée maintint longtemps sa prééminence au XVIe siècle, malgré la découverte du Nouveau Monde et la circumnavigation. Comment le premier niveau d'une géohistoire rend intelligible à son tour une géopolitique qui lui est subordonnée, civilisation, économie, échange, domination politique, etc. Il montre ensuite comment les deux premières parties de l'œuvre fondamentale de Braudel, la dimension cosmique et la dimension de longue durée, conspirent, c'est le mot exact, conspirent à couronner l'édifice d'une histoire événementielle reconstruite qui traduit l'émergence lente d'une nouvelle détermination géospatiale dont rendent compte les orientations nouvelles de la politique de Philippe II, roi d'Espagne et du monde méditerranéen, quand,
Je cite « L'Espagne quitte la Méditerranée, préambule du moment proche où la Méditerranée sort de la grande histoire. » Citation. La seule chose que Brodel ne pouvait prévoir, nous dit l'auteur, non sa malignité et finesse, c'est la déroute de la Grande Armada en 1588 devant les côtes d'Angleterre, puis la mort de Philippe II en 1598, qui dégage la voie ouverte à l'hégémonie anglaise sur l'espace atlantique. Et là, le basculement se fait vers l'ouest. Et voilà comment la contingence, nous dit Ricoeur, et voilà comment la contingence réapparaît en mettant en péril la solide assurance d'une histoire explicative des forces profondes fondée sur la subordination de l'événementiel au structurel. Si une telle méthode, la méthode brodélienne, s'accordait fort bien à la phénoménologie de Ricoeur, qui justement distingue entre ce qui est un background peu intelligible et une surface qui ne peut être qu'un récit de phénomène, elle montrait de l'aveu même de Ricoeur ses limites, en ne permettant pas de saisir dans la même totalité le structurel et le conjoncturel, le nécessaire et le contingent. Si pour terminer, nous revisitons l'histoire de la Révolution française et par extension, toutes les grandes révolutions politiques mettant en mouvement de grandes masses humaines socialement construites, nous voyons bien que c'est dans son incapacité à penser, à mettre en concept les interactions fines de temps, de rythme, d'instance, de réalité diverses que les prétentions de l'histoire structurelle révèlent sa radicale insuffisance. Je remarque cependant que la recherche des interactions elles-mêmes n'épuise pas la question de la validité des explications historiques de type structurel. Encore faut-il qu'elles soient rapportées, conçues en tant que force agissante, que relevant de la même totalité organique. En 1895, inspiré par le Marx de la préface à la contribution de la critique de l'économie politique, bien cité, le vieux Plekhanov, dans son essai sur le développement de la conception moniste de l'histoire, traduction française 1973, expliquait déjà que l'évocation de l'interaction elle-même n'expliquait rien du tout et que pour la comprendre, il fallait, je cite, « tirer au clair les propriétés des forces qu'il exerce ». Selon lui, à la suite de Marx, ces forces relevaient du mode de production, rapports sociaux de production et mouvement des forces productives. Évidemment, c'est la dimension un peu réductionniste de sa démarche. Selon moi, la référence ici est encore bien trop générale et vague. Elle conduit à établir une sorte de topologie explicative abstraite distinguant infrastructure, superstructure, infrastructure déterminante en dernière instance et superstructure, certes plus ou moins autonome, mais mise en mouvement uniquement par en bas dans un seul mouvement ascensionnel. Dans la dialectique qui meut la totalité d'une formation sociale à un moment donné, c'est-à-dire à la fois dans sa structuration et dans la chronologie, elle a conduit à se transformer dans un sens non téléologiquement déterminé, mais réellement mesurable par référence aux conditions réelles de son expression, la recherche des interactions passe par la mesure des rythmes temporels et l'identification des objets où elles s'expriment. Ce sont les seules données qui rendent intelligible l'action propre des protagonistes et l'efficacité de leur intervention. Tel est le sens de mon esquisse de démonstration. Et ainsi peut théoriquement se concevoir une conception moniste de l'histoire capable de promouvoir une intelligence globale de ce qui nous a précédés. Et c'est à cela que j'ai voulu pour ma part contribuer dans le petit essai auquel j'ai fait référence. Je vous remercie de votre attention. Surtout à notre ami Vincent Thy qui en a eu l'idée et qui a déployé une énergie extraordinaire pour que tout ça se passe au mieux. Des questions à Claude Mazoric, je pense. Oui, une question à cette partie finalement qui s'adresse aux trois orateurs de cette académie, que je remercie. C'est finalement, qu'est-ce que vous. On a une journée sur dialectique et histoire, qu'est-ce que vous dites du terme similaire, enfin, assimilaire justement des proches, qui sont utilisés notamment dans le cours de sociologie ou en histoire, des termes qui appellent de tension ou interaction. Et j'ai noté que Mazoric a insisté à plusieurs reprises sur le terme d'interaction. Pour essayer de préciser la question, pour éviter les malentendus, moi je suis historien et donc en artisan, pour que beaucoup d'entre nous définissent, finalement j'ai quoi d'autres théoriques que j'essaie d'enrichir, je suis en plus de culture marxiste, mais je n'utilise pas vraiment dans cette boîte d'outils les outils dialectiques. C'est un peu un outil un peu dérangeant, peut-être un peu trop gros pour une organisation ou pour une période trop restreinte. Donc voilà,
pas, parce que finalement, la réflexion dialectique s'adresse et capable d'expliciter tout type de chant historique, ou est-ce qu'on doit la réserver à une période assez longue, à la longue durée qu'on a évoquée récemment. Et dans ce cas-là, en même temps, je vais poser la personne la question, est-ce qu'on n'est pas en même temps, quand on utilise le terme d'interaction de tension, est-ce qu'on n'est pas dans un affaiblissement théorique qui correspond aussi à une période où finalement, Marx revient un petit peu, mais pas trop, il ne faut pas exagérer, et donc on se cache derrière un autre terme qui serait des synonymes plus acceptables par l'institution. Oui, donc j'aurais voulu poser une question un peu sur l'historiographie de la Révolution française et son rapport au marxisme et plus largement à la question de l'égalité. Parce qu'au moment du bicentenaire, l'historiographie, l'inspiration marxiste, en tout cas l'inspiration jacobine perçue comme marxiste par ses adversaires, a été disqualifiée, en tout cas remise en cause très fortement par les historiens tels que François Furet au moment de la crise des démocraties populaires, de l'implosion du Bloc de l'Est, au motif que la Révolution française, en introduisant la question de l'égalité dans le champ politique, aurait porté ensuite une responsabilité jusqu'au XXe siècle dans une application extrême de cet impératif d'égalité. En tout cas, c'est un peu la question qui a été portée par l'école libérale, et qui, si aujourd'hui, enfin, ne s'est pas vraiment imposé dans l'historiographie, ou l'a un peu reculé dans l'historiographie, dans le grand public, on a l'impression que c'est l'image de la Révolution française qui est tout de même restée. Mais bon, alors que, certes, on dit que l'histoire est toujours contemporaine, et de fait, alors que nous sommes aujourd'hui, au contraire, dans une crise de la démocratie bourgeoise, une crise du capitalisme, et on voit bien ses effets sur les travailleurs, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, justement, dans l'historiographie à nouveau, d'un renversement dialectique presque, qui prendrait en charge cette antithèse anti-marxiste sur la question de l'égalité, pour reposer à nouveau cette question de l'égalité, et donc porter à nouveau la vision de la Révolution française, comme a pu le faire l'école jacobine, en montrant qu'elle a eu un rôle positif en posant cette question du peuple, cette question de l'égalité, tout en prenant en charge l'antithèse qui lui avait été opposée. Comme Mazurek récemment parlait de Jaurès, historien de la Révolution française. Alors si j'ai bien compris, en fait Jaurès serait contre Kautsky, contre l'intention de Kautsky, réintroduit la valeur dynamique de la Révolution française en y voyant un rôle positif de la lutte des classes. Mais il aurait négligé le rôle de la paysannerie, l'homme du Sud. Alors je me suis dit quand même, comment est-ce possible, puisque, comme tu l'avais fait remarquer très immédiatement, ce sont les masses paysannes qui font en fait l'essentiel, enfin, qui lancent, qui font la Révolution française. Et alors du coup, je vais sans. En parallèle avec la grille que proposait diachronique nécessité, diachronique contingence, synchronique nécessité, etc. Et avec ce que tu as effleuré ici, qui était de dire, à ce propos-là précisément, qu'en fin de compte, les masses paysannes provoquant la Révolution française avaient permis, avaient rendu visible et permis l'efficacité d'une sorte d'archétype du prolétariat dans l'urbain, hein, et donc en quelque sorte permis la lecture académique orthodoxe, hein, l'application de la dialectique à la Révolution. Si on prend en compte le fait que la lecture académique orthodoxe a mis entre parenthèses le rôle des masses paysannes, comme d'ailleurs la plupart de l'histoire marxiste, un pauvre rôle de la paysannerie dans la majorité du marxisme, il faudrait donc mettre les masses paysannes du côté de la contingence. Et donc en conclure que la contingence, c'est ce qui fait la révolution, ou c'est ceux qui font la révolution. Voilà. Est-ce que c'est vrai? La question de l'incendie, parce qu'elle est importante.
Effectivement, on a eu un débat sur Jaurès, journaliste, et on évoquait Jaurès, journaliste, mais aussi historien, puisqu'il écrit à partir de 1898, quand il n'est plus réélu à l'Assemblée nationale, et en bénéficiant des sources extraordinaires de la bibliothèque du Parlement, de la Chambre des députés, il écrit les quatre premiers volumes de l'histoire socialiste de la Révolution française. Et il les publie presque au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un travail à la fois très approfondi et en même temps passionnel. Enfin, il écrit vraiment en s'interrogeant lui-même sur ce qui le motive à propos de la Révolution française. Est-ce qu'il était le premier à s'inspirer? Alors, il dit s'inspirer de Plutarque, de Michelet et de Marx, du matérialisme historique, c'est explicite, c'est la préface, et ça se montre d'ailles. Est-ce qu'il est le premier à avoir introduit dans un livre d'histoire, dans une réflexion historique approfondie, la pensée de Marx? Non. Jean-Michel Ducange, ici, a publié un recueil des textes de Marx, de Jaurès et des textes de Kautsky sur la question. Et c'est Kautsky qui a l'antériorité. C'est en 1889 que Kautsky publie les luttes de classe pendant la Révolution française. Il ne le fait pas d'après les sources. Il le fait d'après des histoires, à la fois allemande, française, après Thème. Il a lu beaucoup, mais enfin, il a fait un travail de seconde main, il a fait un travail de préparation d'un cours d'agrég, il n'a pas fait un travail de chercheur qui va directement aux sources. Mais, à travers ses lectures de seconde main, il remarque l'importance considérable de la paysannerie, et il traite de la paysannerie. Il l'évoque comme un élément central du mouvement révolutionnaire qui explique à la fois le problème de la construction de l'accumulation du capital, la destination de la rente, et donc du même coup les résistances paysannes, la diversification de la société paysanne avec ses divers niveaux. Même si c'est très approximatif, c'est quand même très profond. Jaurès a une toute autre méthode. Jaurès est un républicain qui devient socialiste, qui a découvert quelques textes de Marx, essentiellement parce que d'ailleurs son ami de ville les lui fait lire. Il parle parfaitement l'allemand, il le connaît très bien, mais il n'a pas lu Marx en allemand tout de suite. Et il retient l'idée, mode de production, accumulation du capital, etc. Enrichissement bourgeois. Et, extraordinaire, mais l'histoire socialiste de la Révolution française ne parle pas du mouvement paysan. Il l'évacue complètement. Pourquoi? Parce qu'il ne le trouve pas dans les sources. Il fait un vrai travail d'historien, c'est-à-dire qu'il construit son récit et son discours à partir des sources documentaires dont il fait la critique. Il retient les cahiers de doléances, mais il retient surtout les cahiers de doléances des villes, des corporations, ceux du troisième niveau, les cahiers de doléances récapitulatifs. Il ne descend pas au niveau des paroisses. Alors que Kautsky, dont on dit qu'il est dogmatique, il l'est d'une certaine manière, parce qu'il part de la théorie, ne peut pas évacuer la question paysanne. Donc c'est facile de dire, Jaurès est un grand historien, il est grand historien, certes, c'est même un tournant considérable dans l'historiographie, je ne vais pas le développer parce que ce serait trop long, mais il passe à côté d'une question centrale qui est celle de la rythme-analyse de la Révolution française qui est marquée par cette... Tant que la question paysanne n'est pas réglée, la question de la révolution bourgeoise n'avance pas. La bourgeoisie ne prend le pouvoir que lorsqu'elle a réglé la question paysanne, c'est-à-dire la question de la propriété pour aller vite et de la rente, que Kautsky avait perçue à travers un travail purement théorique. Donc c'est quand même difficile de dire que l'histoire, l'historien ou l'histoire ne se fonde que sur les sources, elle doit se fonder aussi sur les concepts. Mais en même temps, si elle ne se fonde que sur les concepts, alors ça devient ce qu'a écrit Kautsky, c'est-à-dire un ouvrage absolument abstrait et qui ne nous explique pas non plus, cette fois-ci, les instances diverses à travers lesquelles le mouvement révolutionnaire s'est réalisé. Alors, je ne vais pas faire une conclusion banale, mais il faut les deux, il faut à la fois les concepts et l'enquête, et la détermination des lieux, des conflits, des temps, des durées. Voilà, c'est ça le travail de l'historien, c'est pour ça que j'ai essayé de parler en professionnel. Enfin, quand je dis professionnel, vous voyez bien que... C'est pas pour attirer l'attention sur moi, c'est parce qu'il y a une méthode qui est celle de l'historien et que cette méthode, elle est respectable parce que précisément, elle fait appel à ces deux éclairages, celui que donnent les sources, c'est-à-dire la matière qui nous permet de dire qu'il y a eu une réalité avant nous qui a été inscrite dans la chronologie, et puis de l'autre, les concepts qu'on va utiliser. Alors sur le choix des concepts, évidemment, il y a des difficultés, je vais y revenir. Alors maintenant, évidemment, l'émancipation, le règlement de la question paysanne, pas l'émancipation paysanne, parce que ça c'est encore un point. Mais le règlement de la question paysanne dégage complètement le terrain à l'apparition d'une autre question sociale nouvelle, dont l'embryon se manifeste précisément.